Mesdames, Messieurs, bonjour. Chers élèves, chers parents et amis internautes, bienvenue dans votre nouvelle édition préférée de Dictée en famille sur Télé École, une chaîne 100% éducation. Et puisqu'on parle de famille, justement, c'est une activité qui crée un moment de communion et d'échange qui raffermit les liens familiaux. Alors donc, nous allons essayer de joindre l'utile à l'agréable. Comme d'habitude, cette dictée se fera en trois temps. La première partie sera pour les cadets, la deuxième pour les juniors et l'intégralité du texte pour les seniors. Toutefois, je vous invite à commencer tous ensemble. Je m'appelle Cheikh Ahmed Bamba Faye. Je suis professeur de lettres modernes au lycée Glandou Diouf de Dakar. Ne vous en faites pas, je vous indiquerai où vous arrêtez selon votre catégorie. Et chers amis, je vous demande de vous concentrer. C'est l'heure cruciale. La dictée va commencer. Mes amis, comment allons-nous procéder? Je vais devoir faire la première lecture qui vous permettra de vous familiariser au texte sans ponctuation et je passerai à la dictée proprement dite. Et quand on terminera la dictée, alors je procéderai à une dernière lecture de vérification avec ponctuation. À vos stylos, je démarre la dictée. Bouleversante, vêtue de cori, ensoleillée et saupoudrée de kaolin, elle dansait. Les féticheuses en transe à l'honneur des dieux. Les esprits de l'air ont insufflé à leurs entrailles de bouillonnantes haleines et s'ébrayant comme des rochers qui se rompent. Elles se sont mises à vibrionner à tout vent, à la pointe de leur front, scintillées des perles et des bijoux couleur rubis. Tout autour des corsages saints, au haut de leurs seins, des essaims de fragrance essoufflés. La voix mâle des tambours rythmait l'élan sans frein de leurs pas, au son des gonds en menu canari. Elles faisaient tintinabuler écailles et coquilles à la cambrure de leurs reins. Puis, comme des lucioles, émaillant d'invisibles feux follets, elles tournaient et elles tournaient, chatoyantes et bouleversantes. C'était la nuit, l'heure des métamorphoses, des âmes surdouées, quand s'éveille, phosphorescent le pollen, l'œil et les encens des myosotis mystiques. C'était la nuit. Et les ululements barbares des hiboux, sorciers, amplifiaient les tam-tams et la clameur des vaporeuses almains de nuit. Oh, quelle est belle la danse des féticheuses en transe, et si bouleversante leur voix qui monte jusqu'aux voûtes de la nuit qui se mue et s'étiole. C'était comme si, par les vibrations de leur nombril, par les clapotis de leurs reins, par les cliquetis de leurs pieds et bras, des femmes florissantes et des amazones fabuleuses façonnaient à nouveau tous les mouvements de la création du monde. Après cette première lecture sans ponctuation, nous allons passer à la dictée. Je vous rappelle, tout le monde démarre en même temps. Bouleversante. 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 Point. Vêtue de cori ensoleillée et saupoudrée de kaolin. Vêtue de cori ensoleillée. Vêtue de cori ensoleillé. Vêtu de cori ensoleillé. Et saupoudré de kaolin. Et saupoudré de kaolin.
est saupoudré de kaolin, virgule. Elle dansait, virgule. Elle dansait. Elle dansait, virgule. Les féticheuses en transe. Les féticheuses en transe. Les féticheuses en transe. En l'honneur des dieux. En l'honneur des dieux. En l'honneur des dieux. Les féticheuses en transe. En l'honneur des dieux. Point. Je lis la phrase. Vêtue de cori ensoleillée et saupoudrée de kaolin, elle dansait. Les féticheuses en transe en l'honneur des dieux. Point. Les esprits de l'air ont insufflé à leurs entrailles de bouillonnantes haleines. Les esprits de l'air. Les esprits de l'air. Les esprits de l'air. Ont insufflé. Ont insufflé. Ont insufflé à leurs entrailles, à leurs entrailles, à leurs entrailles, les esprits de l'air ont insufflé à leurs entrailles de bouillonnantes haleines, de bouillonnantes haleines, de bouillonnantes haleines. Les esprits de l'air ont insufflé à leurs entrailles de bouillonnantes haleines et, virgule, de bouillonnantes haleines et, virgule, s'ébranlant comme des rochers. S'ébranlant comme des rochers qui se rompent. S'ébranlant comme des rochers qui se rompent. S'ébranlant comme des rochers. S'ébranlant comme des rochers qui se rompent. S'ébranlant comme des rochers qui se rompent, virgule. Elles se sont mises à vibrionner à tout vent. Elles se sont mises. Elles se sont mises. Elles se sont mises à vibrionner à tout vent. À vibrionner à tout vent. À vibrionner à tout vent. Point. Je reprends toute la phrase. Les esprits de l'air ont insufflé à leurs entrailles de bouillonnante haleine et, virgule, s'ébranlant comme des rochers qui se rompent, virgule. Elles se sont mises à vibrionner à tout vent, à tout
Vent. À tout vent. Point. À la pointe de leur front scintillaient des perles et des bijoux couleur rubis. À la pointe de leur front. À la pointe de leur front. À la pointe de leur front. À la pointe de leur front, virgule. Scintillaient des perles et des bijoux couleur rubis. Scintillaient des perles et des bijoux couleur rubis. Scintillaient des perles et des bijoux couleur rubis. Point. Je reprends la phrase. À la pointe de leur front, virgule, scintillaient des perles et des bijoux couleur rubis. Point à la ligne. Là s'arrête la dictée pour les cadets. Les juniors et les seniors continuent avec moi. À la ligne. Tout autour des corsages sains, au haut de leurs seins, des essaims de fragrance essoufflés. Tout autour des corsages. Tout autour des corsages. Seins au haut de leurs seins. Tout autour des corsages seins au haut de leurs seins. Virgule. Tout autour des corsages seins au haut de leur sein, virgule, des essaims de fragrance essoufflée, des essaims de fragrance essoufflée, des essaims de fragrance essoufflée, des essaims de fragrance essoufflé. Point. Tout autour des corsages sains, au haut de leurs seins, des essaims de fragrance essoufflés. Point. La voix mâle des tambours rythmée, l'élan sans frein de leurs pas. La voix mâle des tambours rythmée. 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 L'élan sans frein de leurs pas. L'élan sans frein de leurs pas. La voix mâle des tambours rythmée, l'élan sans frein de leurs pas. Point. La voix mâle des tambours rythmée, l'élan sans frein de leurs pas. Point. Au son des gonds en menu canari. Elle faisait tintinabuler écailles et coquilles à la cambrure de leurs reins. Au son des gonds en menu canari, au son des gonds, au son des gonds
Un menu canari. Un menu canari. Au son des gonds. Un menu canari. Virgule. Au son des gonds, un menu canari. Virgule. Elle faisait tintinnabuler écailles et coquilles. Elle faisait tintinnabuler écailles et coquilles. Elle faisait tintinnabuler écailles et coquilles à la cambrure de leur rein. À la cambrure de leur rein. Point. Au son des gonds, un menu canari, virgule, elle faisait tintinnabuler. Elle faisait tintinnabuler, écailles et coquilles à la cambrure de leur rein. Point. Au son des gonds en menu canari, elle faisait tintinnabuler, écailles et coquilles à la cambrure de leur rein. Point. Puis, virgule, comme des lucioles émaillant d'invisibles faux-follets, elle tournait et elle tournait, chatoyante et bouleversante. Puis, virgule. Puis, virgule. Comme des lucioles. Puis, virgule. Comme des lucioles. Puis, virgule. Comme des lucioles. Émaillant d'invisibles faux follets. Émaillant d'invisibles feux follets. Puis, virgule, comme des lucioles, émaillant d'invisibles feux follets. Puis, virgule, comme des lucioles, émaillant d'invisibles feux follets. Virgule. Elle tournait. Virgule. Elle tournait. Elle tournait, elle tournait, virgule, chatoyante et bouleversante. Et elle tournait, virgule, chatoyante et bouleversante. Et elle tournait. Virgule, chatoyante et bouleversante. Point. Puis, virgule, comme des lucioles émaillant d'invisibles feux follets, virgule, elle tournait. Virgule, et elle tournait,
chatoyante et bouleversante. Point. À la ligne. Là s'arrête la dictée pour les juniors. Mais je vais continuer avec les seniors. C'était la nuit, l'heure des métamorphoses des âmes surduées, quand s'éveille phosphorescent le pollen, l'œil et les encens des myosotis mystiques. C'était la nuit. C'était la nuit. C'était la nuit. Virgule. L'heure des métamorphoses des âmes surdouées. C'était la nuit, virgule. L'heure des métamorphoses des âmes surdouées. Virgule. Quand s'éveille phosphorescent le pollen, virgule, l'œil et les encens des myosotis mystiques. Quand s'éveille phosphorescent le pollen, virgule, quand s'éveille phosphorescent le pollen, virgule, l'œil et les encens des myosotis mystiques. Point virgule. C'était la nuit, virgule, l'heure des métamorphoses des âmes surdouées, virgule. Quand s'éveille phosphorescent le pollen, virgule, l'œil et les encens des myosotis mystiques. Des myosotis mystiques. Point virgule. C'était la nuit. Virgule. C'était la nuit. Virgule. Et les ululements barbares des hiboux sorciers amplifiaient les tam-tams et la clameur des vaporeuses almées de nuit. C'était la nuit. Virgule. Et les ululements, c'était la nuit, virgule, et les ululements barbares des hiboux, les ululements barbares des hiboux sorciers, c'était la nuit, et les ululements barbares des hiboux sorciers amplifier les tam-tams et les ululements barbares des hiboux sorciers amplifier les tam-tams et la clameur des vaporeuses almées de nuit. Almées de nuit. C'était la nuit. Virgule. Et les ululements barbares des hiboux sorciers amplifiaient les tam-tams et la clameur des vaporeuses almées de nuit. Trois points de suspension. C'était la nuit. Virgule. L'heure des métamorphoses des âmes surdouées.
virgule, quand s'éveille phosphorescent le pollen, virgule, l'œil et les encens. Des myosotis mystiques. Myosotis mystiques. Myosotis mystiques. Point virgule. C'était la nuit. Virgule. Et les ululements barbares. Les ululements barbares. Des hiboux sorciers amplifiés. Les tam-tams et la clameur des vaporeuses almées de nuit. Trois points de suspension. Oh! Quelle est belle la danse des féticheuses en transe et si bouleversante leur voix qui monte jusqu'aux voûtes de la nuit qui se mue et s'étiole. Oh! 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 Quelle est belle la danse des féticheuses en transe. Quelle est belle la danse des féticheuses en transe. Oh! Point d'exclamation. Au point d'exclamation, quelle est belle la danse des féticheuses en transe. Et si bouleversante, et si bouleversante, et si bouleversante, leur voix qui monte jusque. Leur voix qui monte jusqu'aux voûtes de la nuit est si bouleversante, leur voix qui monte jusqu'aux voûtes de la nuit qui se mue et s'étiole. Oh, point d'exclamation. Quelle est belle la danse des féticheuses en transe. Et si bouleversante, leur voix qui monte jusqu'aux voûtes de la nuit qui se mue. Et s'étiole aux voûtes de la nuit qui se mue et s'étiole. Trois points de suspension. Oh, point d'exclamation. Quelle est belle la danse des féticheuses en transe. Et si bouleversante, leur voix qui monte jusque, leur voix qui monte jusque, leur voix qui monte jusque, aux voûtes de la nuit qui se mue et s'étiole. Trois points de suspension. C'était comme si, virgule, par les vibrations de leur nombril, par les clapotis de leurs reins, par les cliquetis de leurs pieds et bras, des femmes florissantes et des amazones fabuleuses façonnaient à nouveau tous les mouvements de la création du monde. C'était comme si. C'était comme si. C'était comme si, virgule,
par les vibrations de leur nombril. Par les vibrations de leur nombril. Par les vibrations de leur nombril. C'était comme si, virgule, par les vibrations de leur nombril, virgule, par les clapotis de leurs reins, par les clapotis de leurs reins, par les clapotis de leurs reins. Par les clapotis de leurs reins. Virgule. Par les cliquetis de leurs pieds et bras. Par les cliquetis de leurs pieds et bras. Virgule. Par les cliquetis de leurs pieds et bras. Virgule. Des femmes florissantes et des amazones fabuleuses façonnées à nouveau. Des femmes florissantes et des amazones fabuleuses façonnées à nouveau. Des femmes florissantes. Des femmes florissantes. Des femmes florissantes. Et des amazones et des amazones fabuleuses. Des femmes florissantes et des amazones fabuleuse, façonnée, des femmes florissantes et des amazones fabuleuses façonnées, à nouveau, des femmes florissantes et des amazones fabuleuses façonnées, à nouveau, tous les mouvements de la création du monde, tout les mouvements de la création du monde. Tous les mouvements de la création du monde. Des femmes florissantes et des amazones fabuleuses façonnées. À nouveau, tous les mouvements de la création du monde. Point. Final. C'était comme si, par les vibrations de leur nombril, c'était comme si, virgule, par les vibrations de leur nombril, virgule, par les clapotis de leurs reins, virgule, par les cliquetis de leurs pieds et bras, virgule, des femmes florissantes et des amazones fabuleuse, façonnée, à nouveau, tous les mouvements de la création du monde. Ainsi prend fin la dictée. Comme je l'ai promis, je vais procéder à une dernière lecture de vérification avec ponctuation. Alors, je demande à tous les candidats de se concentrer. Et je m'adresse aux cadets. Concentrez-vous. On démarre. Bouleversante. Point. Vêtue de cori, ensoleillée et saupoudrée de kaolin, virgule,
elle dansait. Virgule. Les féticheuses en transe en l'honneur de Dieu. Point. Les esprits de l'air ont insufflé à leurs entrailles de bouillonnantes haleines et, virgule, s'ébranlant comme des rochers qui se rompent, virgule. Elles se sont mises à vibrionner à tout vent, point, à la pointe de leur front, virgule, scintillaient des perles et des bijoux couleur rubis. Point. Tout autour des corsages saints, au haut de leur sein, virgule, des essaims de fragrances essoufflées. Point. La voix mâle des tambours rythmée, l'élan sans frein de leurs pas. Point. Au son des gonds, un menu canari, virgule, elle faisait tintinabuler écailles et coquilles à la cambrure de leurs reins. Point. Puis, virgule, comme des lucioles émaillant d'invisibles feux follets, virgule, elle tournait, virgule, et elle tournait, virgule, chatoyante et bouleversante. Point. C'était la nuit, virgule, l'heure des métamorphoses des âmes surdouées, virgule, quand s'éveille phosphorescent le pollen, virgule, l'œil et les encens des mieux outils mystiques. Point virgule. C'était la nuit, virgule, et les ululements barbares des hiboux sorciers amplifiaient les tam-tams et la clameur des vaporeuses almées de nuit. Trois points de suspension. Oh, point d'exclamation. Quelle est belle la danse des féticheuses en transe et si bouleversante leur voix qui monte jusqu'aux voûtes de la nuit qui se mue et s'étiole. Trois points de suspension. C'était comme si, virgule, par les vibrations de leur nombril, virgule, par les clapotis de leur rein, virgule, par les cliquetis de leurs pieds et bras, virgule, des femmes florissantes et des amazones fabuleuses façonnaient à nouveau tous les mouvements de la création du monde. Point final. Ainsi s'achève, chers amis, amis, internautes, chers parents, chers élèves, cette dictée sur Télé-École, la chaîne 100% éducation. Je vous souhaite bonne chance.